Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se promener dans mon coin. Moi, je reste à Terrebonne, mais le stationnement le plus proche que j'ai pu trouver, c'était à Mirabel, concessionnaire Content, et du Bombardier. Fait que le stationnement, il est pas dans le stationnement du magasin, mais juste en arrière de nous autres, il y a un stationnement exprès pour ça. Fait qu'on va se promener dans le coin. Je suis déjà venu l'année passée sans le filmer, mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de destination. On va simplement se promener puis visiter les lieux, explorer finalement, là, faire la connaissance de mon coin. On va faire des petites villes, on va aller voir faire des petits détours. OK, on y va. Je tourne n'importe où, à gauche, à droite. On va checker ça. Ouais, je vais aller vous montrer le stationnement. Hé, on est en masse. Il y a une autre partie là-bas. Moi, je suis arrivé, c'était plein ici. Puis en arrière de la grosse pancarte bleue, il y a encore de la place là. Moi, je suis juste là. Il reste encore de la place. Il est quand même de bonne heure, là. C'est déjà tout plein. Ouais, il reste encore de la place. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Cette direction-là, c'est vers Saint-Jérôme. Mais moi, je veux pas m'éloigner aujourd'hui. Je veux rester dans le coin, visiter mon petit coin. Montrer que ça a l'air dans mon coin. Tourne de bord. On embarque ça après. Et on ferme le casque. Là, on repasse devant le concessionnaire Bombardier à Mirabel. Le groupe Content. On se trouve être à Blainville. Il fait vraiment beau aujourd'hui. C'est pas mal les dernières journées. Peut-être qu'il reste une autre journée, pas sûr.
les trails, la trail est superbe. Hop, un petit tas de terre ici. Ah non, ça c'est la trail de 4 roues à gauche. Hey, il y a large! Super! Il y a l'étoile, il y avait une trail locale. C'était marqué l'étoile Mirabelle, on peut aller là. Mais c'est un cul-de-sac, là. C'est juste pour se rendre à l'étoile. Kilomètres. Il y a bien des maisons ici. Ah, il y en a qui ont stationné ici sur le bord de la rue. Traversée de 4 roues. Les autres avec une belle trail. Belle trail! Non, on va aller voir les indications. On se promène dans le coin, je ne vais pas m'éloigner. Bois des Filions. Non, ça s'en va vers Laval. Ah, oh, peut-être Saint-Lin. Ouais. On va aller à Saint-Lin. On continue. J'avais parlé que j'irais à la chute, mais les trains en direction de la chute sont toutes fermées. Mauvaise condition. On va s'en prendre l'année prochaine. J'ai jamais été à la chute. C'est passé Mirabelle, là, où on a stationné. Fait que dans le fond, l'année prochaine, on va stationner à la même place. On va aller faire un tour dans le coin de la chute. OK, direction Saint-Lin. Là, on est dans une jonction, puis il n'y a pas d'indication d'endroit. Ah, oh, il y en a une, c'est à gauche. Saint-Lin. Colin, une chance que je l'ai vu. Mais dans le fond,
quand même voyant, là. Je me demande ça va où, l'autre bord. Il n'y a rien de marqué. Oups, il y en a en arrière de moi que j'ai pas vu. Ok, c'est Terrebonne, Bois des Filions, moto illimitée, il y a une petite halte dépanneur. Ok, nous autres on s'en va Saint-Lin. Il y a bien des petits trails dans le coin finalement. Il n'y a pas de nid de poule dans les trails. C'est plus beau que la route pour les autos. Là, on est à Saint-Anne-des-Plaines. La traite de Quatrou est juste à côté. Laissez passer parce que ce train là c'est pour les skidoo et les quatre roues. Fait qu'il me laissait passer pour, parce que lui, eux autres ils vont moins vite un petit peu quand que nous autres. En moi d'être une place où la traîne est vraiment belle puis droite là.
vont vite, eux autres. Route 333, Saint-Lin tout droite, Saint-Janvier à gauche, Saint-Jérôme à gauche, Joliette tout droite. Nous autres c'est tout droite. Toujours à la plaine, pas la plaine, Saint-Anne-des-Plaines.
il y a un Y ici. On va aller checker ça. Ok, la plaine tout droite. Moi, ouais, finalement, c'est la plaine que je reste parce que c'est maintenant fusionné. Ça reste Terrebonne, mais anciennement, c'est la plaine. Dans le fond, c'est Terrebonne, secteur la plaine. Restaurant chez Nancy. C'est très proche de chez nous, j'ai jamais été là. Mascouche tout droite. Saint-Roch, la Chica tout droite. Il indique pas Saint-Lin, mais d'après moi, c'est à gauche, sinon ça serait marqué. Ah, oh, je vais aller voir l'autre bord. Ah là, il y a bien marqué. D'après moi, c'est à gauche. On a une chance. De toute façon, aujourd'hui, on peut juste se promener. Pas de destination précise aujourd'hui. Là. Si on va ailleurs, on est quand même dans le coin. Là. Danger! Intersection ici. À gauche, une belle trail, à droite aussi, il n'y a pas rien de marqué. On va aller checker l'autre bord. Laval tout droite, Mascouche, la plaine, Sainte-Sophie à droite. Hey, on va tout à Sainte-Sophie. On reviendra puis on aura Saint-Lin. Après moi, Saint-Lin, c'est celle qui continue tout droite, là. Mais, je vais aller à Sainte-Sophie. Je sais qu'elle a été mortonne, là. On va aller prendre un café puis ou dîner. Puis on continuera après. Ouais, bonne idée.
Voyons. Motoneige, j'ai quatre trous ici. Ça paraît, mais c'est la traîne est maganée. Gauche à gauche, la trail sépare ici. Quatre trous à droite, motoneige à gauche. Je comprends. Ok, à gauche et pour les quatre trous. Nous autres, on continue. Si on a besoin d'essence, une station de service. On doit pas être bien bien loin là. Thank you.
on est rendu à Sainte-Sophie. À droite, Saint-Hippolyte. Hey, l'année prochaine, on va aller là. Ah, c'est pour les quatre roues. Mais c'est pas grave, un autre trail. On va aller à Saint-Hippolyte. Puis on va se rendre à l'Estérel. Tim Horton. Ah, je vais aller dîner. On continue après, je m'en retourne pas là. Je suis pas loin de chez nous. J'ai pas de voyagement à faire. On va aller explorer ailleurs, Saint-Lin. Ok, mon petit break à Sainte-Sophie vient de finir. Là, on va s'en retourner. On va aller à Saint-Léon, on va continuer notre trail, mais je vais le filmer parce que c'est une boucle de où qu'on a arrêté pour aller à Sainte-Sophie au lieu de Saint-Léon. Ben, là, on est à Sainte-Sophie au Tim Horton. Puis par un autre trail, on peut se rendre à Saint-Léon. Donc, je vais continuer à filmer. Ok, ça continue. Direction Saint-Lin par un autre trail. On va faire un petit bout, là, juste sortir de la place du Tim Horton, là, mais... Saint-Lin. Colin, c'est la même trail. Ok, je vais l'arrêter là. Puis quand ça va être une nouvelle trail, peut-être que l'embranchement va se faire avant que de l'autre intersection. Fait que je vais arrêter la caméra. Puis quand on va arriver à une nouvelle intersection, je la repartirai. Ok, on arrête ça. Ok, on reprend la vidéo ici. Finalement, c'est la même intersection que tout à l'heure. C'est pas une boucle, finalement, là. J'ai dû mal à regarder mon GPS. Fait que là, au stop, nous autres, on arrive de la droite. Là, on arrive de Sainte-Sophie. Fait que là, je retourne à gauche. On continue à gauche pour aller à Saint-Lin. OK, fait que ça, c'est l'intersection. Voyons, l'intersection de tout à l'heure. Ok, fait qu'à partir d'ici là, c'est la continuité de notre détour de Sainte-Sophie. La bosse ici.
l'intersection ici, je pense que c'est pour... c'est une trail locale. On va aller voir. Ok, c'est une brasserie qui est à Saint-Hélène. Ok, c'est de la trail locale. C'est pour ça qu'il y a la trail locale ici, c'est pour ça. Ok, on retourne dans le petit Y. Le couple va la faire au Y. Dans le fond, on est à Saint-Hélène. Je pense à ça. C'est la brasserie. Je la connais, c'est la brasserie à Saint-Hélène, ça. Bon, on va faire un petit bout de pareil. Du bonheur. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a par là. De ouf. Ok, il y a des indications ici, on va voir qu'est-ce qu'il y a par là. Il y a l'air d'en avoir beaucoup. Ok, Saint-Esprit à gauche, on pourrait continuer par là. Saint-Esprit, Sainte-Julienne, c'est pas loin, 11 km, 13 km. Joliette, ville de Laurentides, on arrive de là, qui est Saint-Lin. La plaine, ça c'est chez nous. Mascouche, Saint-Jérôme. Ok, on va commencer par aller à Saint-Esprit, puis si on a le temps, ben Sainte-Julienne, c'est pas bien loin. Peut-être Rodin. On va checker ça. Ah, il y a un dépanneur là, pour. Mettre de l'essence. Ok, on fait un petit U-turn. Et là, il y a une trail par là. Ah, c'est les... Hein, non? Quatre roues puis motoneige. C'est pas indiqué, c'est quoi qu'il y a par là. On checkera ça un autre tantôt. Je suis curieux. C'est que ça, c'est le GPS tout à l'heure. Ok! Direction Saint-Esprit.
Ok. Ça, ça ressemble à une trail de cas. Ah non, 305. Saint-Esprit tout droite, ok. Puis Saint-Roch de l'Achigan, c'est plus loin. Et là, je suis curieux, il y a d'autres. Saint-Michel-des-Saints, ah, on peut pas se perdre ici. Saint-Zénon, Saint-Julien, Saint-Gabriel, Saint-Esprit par là aussi. Ça doit être une boucle. Saint-Esprit, 10 km par là. Puis l'autre, 21 km. On va prendre la 10 km. Soit qu'on revienne en boucle ou qu'on aille à Saint-Julien. Ah non, Saint-Julien, c'est à gauche. Ah, je suis curieux. Tout droit. Si on a le temps, on fera l'autre direction. Pas d'indique. Ah, propriété privée à gauche, ok. Donc, nous autres, c'est tout droit. De nous autres, c'est Saint-Esprit, c'est sûr, là.
Tabarnouche, il y a des poteaux rouges secs des cordes. Il a dû y avoir un dernier avertissement pour le passage ici. Sûrement que c'est ça. Probablement que c'est sa dernière chance cette année. Ça, c'est mon opinion personnelle. Là. C'est peut-être pas ça. Là. Ça ressemble à ça. Pont Saint-Esprit, bienvenue à tous. Club Motoneige Bonheur. Il y a un petit refuge ici. Isolation Majo et Frères, ça c'est sûrement eux autres qui l'ont financé. Ah, si j'aurais froid, je viendrais me réchauffer ici, mais j'ai pas froid. Neige par là. L'autre trail, c'est pour les quatre. Ah! On est où il y a des parachutes à Saint-Esprit. Hop! Je me demande si on va passer dans l'aéroport. Je pense que oui, si ma mémoire est bonne. Mais oui. Je vais passer juste une fois, v'là 2 ans. Ça, c'est l'aéroport à Saint-Esprit. Ils font du parachute ici. Là, on voit bien des skidoo, il doit y avoir une intersection là. On va aller checker ça. Et là, dans le fond, on est rendu à Saint-Esprit. Radune à gauche, 20 km. Station de service Saint-Julien à gauche. Saint-Alain à gauche. Ah, ça doit être une boucle. La boucle ce qu'on a tourné tout à l'heure. Ok, on va aller à Saint-Julien. Tout à l'heure, par où est-ce qu'on va venir, si on prend l'autre bout ou si je reviens sur mes pas ou un autre trail, on va checker sur le GPS. Ouais, finalement, dans mon coin, il y en a en masse des trails. Hein, je me souvenais pas qu'il y en avait tant que ça.
voie de passage fragile. Restez dans le sentier. C'est quoi ça? Bizarre. Ah, je viens de le comprendre. Les travaux, c'est une érablière. Fait qu'il y a du monde qui travaille là, qui veut, ils peuvent être ses pressants. Non, là, c'est compréhensible. En passant, son bincement de nous laisser passer ici. Direction Sainte-Julienne. Belle petite traite dans les bois.
Oh, une intersection. Saint-Michel-des-Saints, Saint-Védon-Tutouette. Hop, Saint-Gabriel-de-Brendan. Ok, nous autres, on s'en va vraiment pas par là, là. Mais l'année prochaine, on va coucher à Saint-Zénon, puis je vais faire le tour du lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Je vais aller voir l'autre intersection, c'est quoi les directions. Ah, on peut se rendre à Saint-Jérôme par là. Laval-Saint-Esprit, ça c'est la boucle. Saint-Lin, c'est la boucle. Saint-Julien, bon, ben, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. On va se rendre à Saint-Julien, on est presque arrivé, puis on va fermer la boucle à Saint-Esprit. Mais Saint-Lin est avant, je comprends pas. Allez, on va aller voir ça, là. On va aller checker ça. Mais j'avais dit que je connaissais les trails dans mon coin, je venais passer ici. C'est nouveau pour moi aussi. Il y en a tellement des trails. C'est super le fun. Station de service à gauche. À droite, c'est un cul-de-sac pour aller au concessionnaire Artif 4. Traverse de quatre roues. On est-tu rendu? Ah ben on est rendu à Saint-Julien, c'est juste 2 km. Je savais même pas qu'il y avait un Saint-Hubert à Sainte-Julienne. Puis on est ça à Sainte-Julienne. Ah ouais, on est à Sainte-Julienne. Je savais même pas qu'il y avait un Saint-Hubert.
pas sûr, là, mais là, je pense qu'on est dans la bonne direction pour fermer la boucle. On va le savoir un petit peu plus loin. Je mets ces freins-là avant de voir des pancartes m'a pété sur mon GPS. On va faire un petit bout ici, on va voir que ça va de l'air. C'est vraiment une journée d'exploration aujourd'hui. Droite, il y a une trail, il n'y a rien de marqué, mais dans ce temps-là, là, c'est pour les résidents qui veulent rejoindre la trail. Parce qu'il y aurait quelque chose, ils l'auraient marqué. Quoi que des fois, c'est pas tout le temps. On passe vraiment à côté de la ferme. Cabane à sucre sportif. Droit de passer là, mais... Non, on n'a pas le droit. La traîne est juste à gauche. Une chance qu'il y avait des autos parce que moi je passais par là. Mais ça s'en va vers la cabane à sucre quand même, je pense. On passe à côté de la cabane à sucre, je pense pas qu'on le voit sur l'écran, là, mais on passe juste à côté.
n'y a pas d'indication que je m'en vais vers Saint-Lin, mais je n'arrêterai pas pour checker dans le GPS. Je suis pas mal certain que c'est par là. Traverse de quatre roues, il n'y en a pas. Je pense que la boucle a fini ici. Ouais. La boucle a fini ici. Regardez. J'hésitais entre aller par là ou aller à gauche. Et là, on arrive de la gauche. Fait que la vidéo, il arrête ici. Moi, ma journée n'est pas finie. Là, faut que je m'en retourne à concessionnaire Comptant Mirabel. Mais dans le fond, c'est à Blainville, mais à Mirabel. En tout cas, c'est le bord de la 15. OK, ça se termine ici parce que le retour, ça va être la même trail. Fait que je vais m'enlever mon couvert. Il y a des belles machines. Les miennes avec, elles sont belles. Fait que au prochain vidéo. Bye bye.